Bonjour et bienvenue sur Kinshasa News. Aujourd'hui, nous allons vous parler d'une rumeur qui a commencé à circuler dans les cercles politiques de Kinshasa. Olive Lembe, l'ancienne première dame de la RDC, pourrait être la candidate surprise pour succéder à Félix Tshisekedi en 2023. Selon des sources proches de la famille Kabila, des discussions seraient en cours, impliquant des Occidentaux, pour donner le fauteuil de la présidence à Madame Lembe en 2023. On dit qu'elle serait la mieux rodée de toutes pour maîtriser les affaires de l'État. Il est vrai que Madame Lembe est devenue plus politique ces dernières années et en ce moment elle n'hésite pas à tacler indirectement le régime actuel. Certains croient même que les appels au retour de Joseph Kabila au pouvoir ne seraient qu'un moyen de masquer la prochaine candidature de son épouse en substitution. Il est intéressant de noter que l'ancienne première dame est devenue très populaire ces dernières années, plus encore que son mari lorsqu'il était président. Cependant, il est important de mentionner que cette popularité n'est pas exempte de critiques et de scepticisme, certaines personnes attribuant les ratés de la gouvernance actuelle à Joseph Kabila, dont l'accession au pouvoir est contestée. En conclusion, il est encore trop tôt pour savoir si Madame Lembe sera effectivement candidate en 2023, mais il est clair qu'elle a tous les ingrédients pour devenir un candidat sérieux dans un pays où l'électorat a perdu confiance envers les politiciens traditionnels. Nous vous tiendrons informés des développements à venir sur cette histoire. Likez cette vidéo et abonnez-vous pour plus des vidéos intéressantes sur le Congo-Kinshasa.